Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose une marinade idéale pour rehausser le goût des viandes, poissons et légumes. Un mélange facile à réaliser. Voici les ingrédients à utiliser. Une cuillerée à soupe de poivre noir, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'ail frais, l'équivalent d'une cuillerée à soupe de gingembre frais, 4 feuilles de laurier, une dizaine de clous de girofle, une cuillerée à café de poivre blanc, une cuillerée à café de poivre vert, un oignon, 3 oignons verts, un poireau, du thym, du romarin, du persil, du basilic, 2 citrons et de l'huile d'arachide. Dans un mixeur, je vais écraser l'ensemble des ingrédients. Je n'ai pas envie d'écraser les feuilles de laurier vu qu'il y a déjà 4 différentes herbes aromatiques, persil, basilic, thym et romarin. Je préfère donc ajouter les feuilles de laurier directement à la préparation juste avant la cuisson. Mais si ça vous dit, écrasez-les directement avec les autres ingrédients, ça n'enlèvera rien au goût, au contraire. Voilà, tout y est. On y ajoute le jus de citron pressé. Son acidité va attendrir la chair de la viande ou du poisson lors de la marinade. Évidemment, la viande sera marinée plus longtemps que le poisson. Enfin, on y incorpore l'huile, l'élément gras de notre marinade, qui permettra aux saveurs de se développer. On mixe alors l'ensemble et notre marinade est déjà prête. Cette marinade apportera plus de saveur aux aliments et le temps de marinade, comme je le disais tantôt, dépendra d'un aliment à un autre, qu'il soit viande, poisson ou légumes. Cette marinade peut se conserver jusqu'à une semaine à température ambiante. Et dans ce cas, ajoutez-y un peu plus d'huile afin de maximiser le temps de conservation. Sinon, vous pourrez la conserver encore plus longtemps au frais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous. À bientôt!